Bonjour, nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'Évangile selon saint Jean, publié aux éditions Parole et Silence, Jean, l'Évangile en filet. Pourquoi un filet? Eh bien parce que c'est ainsi que Jean l'a composé. Cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale, composé oralement. Et donc, quand on fait les choses par oral, on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet, c'est-à-dire avec non seulement des fils horizontaux, des colliers horizontaux, c'est-à-dire l'ordre habituel de la lecture, mais aussi des fils verticaux, c'est-à-dire des méditations transversales et même des tresses et des nœuds de tresses. Alors, celui qui a fait la préface, c'est quelqu'un qui parle araméen, qui est irakien et qui est aussi dominicain. C'est ainsi que pour des Français, ça a été plus facile de le connaître. Il s'appelle Monseigneur Mirkis, il est évêque de Kirkouk et Souleymania. Alors, bien sûr, pour lui, c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'Orient, de langue araméenne, soient ainsi transmises au monde occidental. Nous sommes à celui que j'appelle le fil vertical E. Nous avons déjà vu que ce fil contient une thématique qui signifie la vie, le jugement, l'exorcisme du monde. Nous allons voir maintenant que ce même fil E contient une autre thématique qui tourne autour de la nouvelle naissance annoncée à Nicodème. Il faut renaître de l'esprit pour accéder au règne de Dieu. Eh bien, commençons par une vue d'ensemble de ce fil vertical E dans cette perspective. Eh bien, observons la sixième perle, Jean 15, verset 26 à Jean 16, verset 15. Il y a trois parties. Dans la première, il est question du paraclet. Et ce paraclet est envoyé par Jésus d'auprès du Père et il rendra témoignage au Fils. Dans la partie centrale, Jésus annonce aux disciples leur martyr potentiel. Tout à chacun qui vous tuera pensera offrir une offrande à Dieu. Quelle inversion! Et dans la troisième partie, de nouveau, il est question du paraclet que Jésus enverra. Quand Jésus dit « Il vous est plus profitable que je m'en aille », cela peut vouloir signifier que Jésus, qui va être martyr et donc qui va montrer la vérité fermeté. Le paraclet, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de vérité fermeté. Être martyr, c'est être martyr de la vérité dans la fermeté.
Et donc Jésus va être un modèle pour les disciples. Mais il y a beaucoup plus qu'un modèle. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement suivre un modèle. C'est recevoir l'Esprit Saint comme une personne. L'évangile de Jean est très clair. Le Père est une personne. Il y a une trinité où la première personne n'est pas la même que la seconde et que la troisième. La vie chrétienne consiste à recevoir le Paraclet comme une personne. Alors, cette perle s'achève avec cette parole de Jésus sur le Paraclet. Il prend de ce qui est mien et il vous le montrera. Les disciples qui vont témoigner dans la ville où Jésus a été crucifié ont besoin de la force de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Paraclet, qui prend de ce qui est mien, de ce qui est à Jésus. Les disciples puisent dans l'humanité de Jésus. Ils puisent dans ses sentiments, dans ses jeûnes, dans ses marches, dans ses paroles, dans ses rencontres, dans ses prières. Il nous faut aussi approfondir la septième perle. Alors rappelez-vous, dans la première perle, Jésus avait dit à Nicodème, « Amen, amen, je te le dis. Si l'homme n'est point enfanté des eaux et de l'esprit, il n'est point capable de voir le règne de Dieu. » Le règne de Dieu veut dire la seigneurie de Dieu, la royauté de Dieu. Or, nous avons vu dans la cinquième perle que Satan est rejeté dehors, et dans la sixième que le prince de ce monde est jugé. Et maintenant, dans la septième, eh bien, la royauté, la seigneurie du Christ est proclamée sur l'écriteau de la croix. Et sous la croix, où l'écriteau proclame la royauté du Christ, se tient la mère de Jésus et le disciple qui l'aimait. Marie est d'abord désignée comme mère. Elle est la mère de celui qui est envoyé du Père. Elle est la mère du Verbe divin. Le Verbe est descendu dans la Vierge Marie par l'Esprit Saint. Il n'est pas descendu dans un homme déjà conçu. Il a lui-même assumé l'union de la divinité et de l'humanité. Ce mystère de l'incarnation conduit aux noces de l'alliance à la croix. Ici, il est important que Marie soit appelée femme, car en tant que femme, elle représente le rôle d'épouse de l'Alliance, un rôle qu'aucun homme ne peut représenter liturgiquement. Elle représente l'humanité en tant qu'épouse du Christ agneau. Puis, de nouveau, Marie est appelée mère. Elle est la mère du disciple bien-aimé, de l'apôtre prêtre. Elle est la matrice de la parole verbe qu'il devra donner aux hommes, dont elle prendra soin et de chacun en particulier. Les soldats ne déchirèrent pas la tunique du Christ, tunique sans couture, mais ils la tirèrent au sort. Déchirer un vêtement, c'est le symbole d'un schisme dans l'Ancien Testament. Aussi, cette tunique sans couture qui n'est pas déchiré, représente l'unité. Or, la lecture en fil vertical nous avait aussi parlé de Jésus comme bon berger. Et il avait dit au sujet de ses moutons, « Personne n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. » Ensuite, il nous est dit que les soldats ne déchirèrent pas la tunique sans couture de Christ, mais ils la tirèrent au sort. Déchirer un vêtement, c'est le symbole d'un schisme dans l'Ancien Testament. Et quand on fait une lecture en fil vertical, on se souvient du discours de Jésus comme bon pasteur. Il disait au sujet de ses moutons que personne n'est capable, ne peut
les ravir de la main de mon père. Moi et mon père, nous sommes un. Autrement dit, l'unité de l'Église symbolisée par la tunique sans couture qui n'est pas déchirée puise sa source dans l'unité du Père et du Fils, l'unité trinitaire. De plus, l'événement des soldats qui ne déchirèrent pas la tunique du Christ est indissociable de l'événement du testament de Jésus qui donne sa mère aux disciples. Une mère qui aime, qui console, quand on a fait l'expérience d'être comblé d'amour. On ne veut pas de division. On a en horreur les disputes, on veut la paix. Marie est mère de l'unité de l'Église. Et cela parce que si intérieurement, elle est toujours unie au divin vouloir. Observons maintenant la huitième perle, Jean chapitre 21, versets 1 à 14. C'est la nuit, les disciples sont à la pêche, ils ne prirent rien. Le matin arrive, Jésus est sur le bord du rivage. Au centre de la perle, Jésus leur dit de jeter le filet. Ils prennent du poisson. Le disciple bien-aimé reconnaît Jésus. Pierre, qui est nu, passe un vêtement et se jette à l'eau à sa rencontre. Jésus lui demande de rapporter du poisson. Il y en a 153. Et troisième partie de la perle, Jésus, qui avait allumé un feu de braise, avait déjà préparé des poissons et il leur en donne. Alors, nous nous souvenons de la première perle avec Jésus qui avait annoncé à Nicodème que l'homme devait renaître des eaux et de l'esprit. Eh bien, ici, on voit Pierre qui est nu, comme un enfant, à la naissance. De même, les poissons qui sortent de l'eau, comme l'enfant à la naissance. C'est en Pierre, on a une allusion au Béréchit de la création. Une allusion à Adam. C'est l'alliance du commencement qui est reprise. Il y a d'ailleurs un dialogue d'alliance. Les apôtres apportent des poissons. Donc Dieu, le Seigneur, désire quelque chose de l'homme. Mais Jésus, sur le rivage, avait déjà préparé un feu de braise et des poissons. Le don de Dieu est premier. Plein de 153 poissons, le filet ne se rompit point. Nous avons déjà expliqué que les 153 poissons, c'est un chiffre qui représente le nombre des nations connues à cette époque. Le filet qui ne se rompt point, c'est l'unité de l'Église au cours de la mission universelle. Eh bien, ce thème de l'unité, nous allons maintenant l'approfondir. L'unité de l'Église, la tunique non déchirée, le filet qui ne se rompit point, a sa source dans l'unité du Père et du Fils, qui est l'Esprit, l'Esprit Saint. Alors, voyons d'abord la perle 3e, Jean chapitre 7, versets 1 à 10. Alors que les Judéens veulent déjà tuer Jésus, ses frères désirent qu'il monte à la fête des tentes pour se montrer. Mais en réalité, précise l'évangéliste, il ne croyait pas en lui. C'est un peu comme si il voulait que Moïse élève le serpent au désert, rappelez-vous la première perle, mais qu'ensuite il ne regarde pas ce serpent avec foi. Jésus leur répond « Mon temps n'est pas encore venu. » C'est très intéressant. Il reçoit son temps du Père. Déjà dans la deuxième perle, il était question de recevoir ses actions du Père. Il fait comme le Père lui montre. Eh bien, son agenda, il le fait selon l'agenda du Père. Il y a donc une unité de volonté entre le Fils et le Père. C'est extrêmement profond. Ainsi donc, ce que Jésus disait à Nicodème, qui
qu'il faut renaître depuis l'entête, renaître de l'esprit, trouve ici une explicitation. Il s'agit de recevoir son agenda, son temps du Père. C'est cela, la vie dans l'esprit. Alors, Jésus, finalement, monte à la fête, mais en secret. Vous savez, le temple cache l'intériorité du temple. Le Saint des Saints est caché. Ce n'est pas par goût du secret, c'est pour préserver la transcendance de Dieu. Eh bien, Jésus monte en secret parce qu'il a une vie divine, parce que ses œuvres sont celles du Père, a-t-il déjà expliqué dans la deuxième perle. Et cette vie secrète, cachée avec le Père, va lui donner une grande force. La force notamment, eh bien, d'avancer dans sa passion douloureuse, septième perle. L'Église réfléchira pendant des siècles pour comprendre l'unité de la nature humaine et de la nature divine dans la personne du Christ. Et finalement, c'est saint Maxime le Confesseur qui en donnera la clé en expliquant que c'est dans l'union de la volonté humaine à la volonté divine dans la personne du Christ et aussi le Fils par rapport au Père. Eh bien, tout ceci est déjà présent dans l'évangile de Jean. Voyez la cinquième perle. Et que dirais-je ? Mon Père, délivrez-moi de cette heure ! Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors, dans les évangiles synoptiques de Matthieu, on a le récit de l'agonie au jardin de Gethsémani, où Jésus, par trois fois, en transpirant le sang, supplie son Père et accepte de boire le calice. Eh bien, ici, nous avons en quelque sorte, dans la cinquième perle, la même dramatique que celle de l'agonie au jardin de Gethsémani. Et elle est présente dans ce fil vertical E, c'est-à-dire ce fil vertical qui nous fait méditer sur l'unité. Eh bien, l'unité puise sa source dans l'unité entre le Fils et le Père, dans l'unité de la volonté humaine du Fils avec la volonté divine. Et cette union des volontés permet au Père de donner au Fils la gloire, la louange, le poids, la noblesse. Dans la cinquième perle, une voix se fait entendre depuis les cieux. J'ai glorifié et de nouveau je glorifie. Et Jésus précise, c'est pour vous que cette voix s'est fait entendre. Un mot sur la quatrième perle, Jean 10, versets 22 à 31. Les Judéens encerclent Jésus et lui disent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspense? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Alors cette question de se manifester ouvertement, c'est vraiment la reprise du thème de la troisième perle où les frères de Jésus voulaient que Jésus monte à la fête de façon ouverte, découverte. Alors, nous avons aussi un autre écho avec la première et la deuxième perle, c'est la plainte de Jésus. Vous ne croyez pas. Et la raison en est ici donnée. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes moutons. On est dans le discours du bon pasteur. Alors, autrement dit, Jésus les renvoie à leur liberté. La messianité de Jésus est comme un abîme inconnaissable qui ne peut être perçu que par la foi, dans la foi. Les disciples qui suivent Jésus sont comme ses moutons, ses agneaux, ses brebis. Ils sont dans la main du Père, comme des nouveau-nés qui ont vécu la nouvelle naissance annoncée par Jésus à Nicodème. Et Jésus dit, « Et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. » Alors les Judéens prirent des pierres pour le lapider. Mais cela n'empêche pas les disciples de continuer, de suivre Jésus. Preuve, s'il en était besoin,
que nul ne peut les ravir de la main du Père. Il est temps maintenant de faire un schéma d'ensemble conclusif sur ce thème justement de l'unité qui vient de l'Esprit qui unit le Père et le Fils. Eh bien, perle 1e, Amen, Amen, je te le dis, si l'homme n'est pas enfanté des eaux et de l'Esprit, il n'est point capable d'entrer dans le règne de Dieu. Perle 1e. Il n'y a qu'un unique royaume qui est pour tous les hommes. Quand je serai exalté de terre, j'attirerai tous les hommes auprès de moi. Perle 5e. Il est symbolisé par la tunique sans couture du Christ que les soldats ne déchirèrent pas. Perle 7e. Et le filet est plein de 153 grands poissons qui ne se rompit point. Perle 8e. L'unité a sa source dans la vie trinitaire. Elle a un fondement indestructible. Ces choses que le Père fait, celles-là, le Fils les fait pareillement. Perle 2e. Moi et mon Père, nous sommes un. Perle 4e. C'est l'unité dans l'esprit de vérité envoyé d'auprès du Père par le Fils. Perle 6e. Merci. Au revoir. À bientôt.